Yo, Cardi B se kiffe, c'est un truc de fou. Mais la semaine dernière, elle l'a encore prouvé. Elle a dit: avant moi, aucune rappeuse n'était signée sur un label et depuis moi, on veut toutes les signer. Bravo la modestie. En gros, la diva, elle a été invitée sur un plateau pour promouvoir la toute nouvelle émission Rhythm Plus Flow, dans laquelle elle est jurée avec Chance the Rapper et T.I. Et à un moment donné, ils ont parlé de l'importance de Cardi B dans l'industrie musicale actuelle. Et madame estime que son succès a permis à d'autres rappeuses d'obtenir des deals parce que ces nanas avaient envie de faire comme elle. Et ça, c'est ce qu'elle a dit en toute humilité. I feel like after me, I'll say that it's kind of like easier for a lot of these female artists. Like, I feel like before me, there was no female rapper that was signed to a label. Well, you know, the ones that already been established. Yeah. Nobody was signing them. Yeah, right. And now everybody's just signing them. If you could rap and you got a couple of followers. On sait tous qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans l'industrie du hip-hop. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de rappeuses qui se lancent. Peut-être que c'est grâce à l'évolution des mentalités. Peut-être que c'est grâce à Cardi B. Bon, qu'on soit d'accord ou pas, ce qui est sûr, c'est que son mari, là, Offset, c'est sa groupie numéro uno. Il est tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Hein. Alors, monsieur, je suis fan de mon épouse et elle est super géniale, a dit que toutes les rappeuses d'aujourd'hui sont des clones de Cardi B. Et ça dit quoi sur les réseaux? Ah, mais t'imagines bien que ça va pas tarder à agiter les réseaux sociaux. Hein. Ben, notamment avec les fans de Nicki Minaj. Et je dis pas ça parce que je suis team Nicki. Il y a un fan de Nicki qui a dit: Minaj a popularisé le rap féminin comme aucune rappeuse ne l'avait fait auparavant. Il y en a un autre qui dit: les rappeuses étaient là avant ou en même temps que Cardi B et elles ont juste percé grâce aux portes qui ont été ouvertes par Nicki Minaj il y a déjà 10 ans. Et il y en a d'autres qui sont plus terre à terre et qui disent juste que Cardi B a une grande gueule. Donc d'un côté t'as la Nicki Minaj Cyber Army, d'autre côté t'as tous ceux qui sont pas d'accord avec l'analyse de Cardi B. Donc face à ça, Cardi B a décidé de répondre. Wesh, j'ai pas dit que j'ai ouvert la voie aux rappeuses, j'ai donné de l'espoir aux ghettos et aux femmes. Sur Twitter, French Blogger a posé la question aux internautes. Cardi B déclare avoir ouvert les portes de la nouvelle génération de rappeuses. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Résultat, pas très folichon pour Cardi B. 21% de oui, 79% de non. Certains qui ont voté non rappellent qu'il y avait d'autres rappeuses avant Cardi B, hein. Iggy, Saweetie, City Girl, Young Ma, et j'en passe. Une autre personne a rappelé que personne jusqu'ici a dit la phrase: alors moi je fais du rap parce que j'admire Cardi B et c'est grâce à elle que je fais du rap aujourd'hui. Thank you, Jesus. Après, c'est chacun son avis sur l'influence de Cardi B sur la nouvelle génération de rappeuses. Si t'as un avis sur la question, mets-le-moi en commentaire. Mais pour moi, pour voir l'influence, il faut remonter plus loin. C'est Lil Kim l'influence. Elle, c'était une vraie rappeuse avec une attitude, elle faisait pas juste les refrains là. Et puis bien sûr, juste pour la citer, Missy Elliott, la numéro 1, est dans nos cœurs pour toujours. En plus là, elle vient de sortir un nouvel album, puis un nouveau morceau il y a une semaine. Bon après, faut quand même avouer que Cardi B, c'est quand même la preuve qu'avec l'envie de réussir et un peu de followers sur les réseaux, tu peux tout faire. Toi t'es team Nicki, team Cardi B, team Lil Kim? Dis-moi quoi en commentaire. Allez bisous, et à demain, ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... Ah, j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.